Nous venons à toi. Qui pouvait s'approcher de toi? Qui peut s'approcher de toi? Toi qui habites une lumière inaccessible au mal, c'est que nul homme n'a vu, nul homme ne peut voir. Seul celui-là que tu y as attiré, seul celui-là qui a trouvé grâce à tes yeux peut s'approcher de toi. Nous avons trouvé grâce à tes yeux par Jésus-Christ, notre Sauveur, le médiateur parfait. Alléluia. Qui nous a montré le chemin du Père. Et nous avons encore trouvé grâce pour être maintenus en vie. Nous n'avons pas été les meilleurs, mais ta grâce, alléluia, ta grâce. Nous te remercions pour cette grâce. Dieu céleste, glorieux et victorieux, nous avons soif de toi. Et quand bien même quelqu'un n'aurait pas soif, nous avons besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu es le cep. Nous sommes des sarments. Celui qui s'attache à toi, qui demeure en toi et en qui tu demeures, porte du fruit. Beaucoup de fruits. Son nom, la gloire.
sagesse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue encore en ce jour dans ces services en ligne, où que vous soyez, la grâce de Dieu avec vous, la grâce de Dieu dans vos maisons. Nous allons en ce jour nous entretenir sur ce que je considère à la fois comme élémentaire et essentiel. Nous lirons abondamment dans la parole de Dieu. Nous allons laisser la parole de Dieu nous parler, nous enseigner, parler elle-même. Et pour cela, nous allons commencer avec l'évangile selon Luc, dans son chapitre 13, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Je disais Luc 13, 23 à 29. Et nous irons ensuite lire l'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, 13 à 14. Matthieu, le chapitre 7, le verset 13 à 14. Nous allons essayer de les combiner ensemble. Ces deux séries de textes. Il dit ce qui suit. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi, et tu y as enseigné dans nos rues. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, moi aussi, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin
qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. J'intitule notre réflexion de ce jour. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Je tire cela dans la question que quelqu'un a posée à Jésus, ce que nous avons lu tout à l'heure. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mesdames et messieurs, le thème de la Bible, c'est Jésus-Christ. Le visée de la Bible, c'est présenter Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est ce que nous lisons au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ est présenté de plusieurs manières. Dans la Bible, par exemple, la Bible dit, ils buvaient tous sur un rocher qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. Vous voyez, le rocher sur lequel ils buvaient était Jésus-Christ. Et rapidement, je peux dire trois choses. Là-dessus, premièrement, il est la source. D'où nous puissions trouver un breuvage pur. Secondement, en tant que rocher, le roc, une pierre, il est le fondement, la base. Pour construire sa vie. Et troisièmement, en tant que rocher, il peut être considéré comme une forteresse, un bunker, où se mettre en sécurité. C'est juste en passant pour appuyer le fait que la Bible présente Jésus-Christ, dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce qu'il veut, ce qu'il poursuit, c'est sauver l'homme. Et le rétablir dans sa position initiale. Rétablir l'homme dans le délices éternels, dans la présence de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, sauver l'homme, voilà ce qui tient Dieu à cœur le plus.
placer l'homme au centre de sa dévotion, de sa religion, de sa piété. C'est cela le cœur de Dieu, la compassion, la miséricorde, secourir le faible, sauver ce qui est perdu. C'est cela qui importe aux yeux de Dieu, qui n'a pas hésité de livrer son Fils unique. Il l'a livré, il l'a donné en rançon, c'est-à-dire en gage. En gage pour arracher l'homme de la condamnation éternelle. Voilà ce qui tient Dieu à cœur. Voilà le principal de l'évangile. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il est plein de bonté. Dieu est plus que patient. Il est la patience. Plus que la patience, Dieu c'est même la longanimité qui est une patience énorme qui supporte l'insupportable. C'est ainsi que dans sa présence, nous pleurerons parce que nous ne comprendrons pas le pourquoi il a tellement tenu sur nous. Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu doit tellement tenir sur moi. Il est lui-même celui qui qualifie le fidèle serviteur qu'il appelle fidèle. C'est lui-même qui le rend fidèle et le félicite pour sa fidélité. Il rémunère celui qui accepte d'être sauvé. Semblable à quelqu'un qui offre à manger dans un restaurant et qui paye celui qui a accepté de manger sa nourriture. Ça, c'est Dieu. C'est cela ce qui le tient à cœur. Sauver l'homme. Le salut. Mesdames et messieurs, c'est cela, prospérer de façon profonde et de façon durable. Le salut de nos âmes. Jésus disait, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Marc 8, 36. Que sert-il à un homme de prospérer, d'avoir de l'argent, des voitures, des maisons, des comptes en banque, s'il perd son âme? Cher prédicateur de l'évangile et témoin de Jésus-Christ,
Nous devons le savoir, nous devions le savoir que le salut, de l'homme, de tout homme, c'est cela ce que Dieu poursuit avant tout. Le salut de tout homme et ensuite le salut de tout l'homme. Revenons sur cette question que cet homme pose à Jésus. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais, lisons cela. À l'envers, à la forme affirmative, c'est la vérité. À la forme affirmative, ce serait il n'y a que peu de gens qui seront sauvés. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il n'y a que peu de gens qui soient sauvés. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée 2, 3 à 4. Mais malheureusement, que tous les hommes ne seront pas sauvés comme Dieu les vœux. Jésus dit, beaucoup chercheront à y entrer, mais ils ne le pourront pas. Ils chercheront à entrer où? Dans le salut, dans la vie éternelle, dans la gloire éternelle. Mais la parole de Dieu dit, ils ne les pourront pas. Pourquoi? Le pourquoi? Je veux nous donner trois petites raisons qui se ressemblent et nous allons fonder notre méditation sur cela. Si beaucoup chercheront à entrer dans le royaume mais ne le pourront pas, c'est premièrement parce qu'ils ne sont pas sincères. Beaucoup ne sont pas sincères. Exactement comme plusieurs de ceux qui ont approché Jésus-Christ quand il était encore sur cette terre. Voyons ensemble ce qui s'est passé dans Matthieu 3. 5 à 9. Matthieu 3, 5 à 9. Ici, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés,
Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Au lieu de la sincérité, ce pharisien et ce sadducéen viennent à Dieu avec des prétentions. Pendant que les autres, je devais dire, pendant que les uns confessent leurs péchés et se font baptiser, les autres s'approchent de Dieu avec leur propre justice. Ils s'approchent de Dieu avec des prétentions, avec leur arrière-plan religieux, en citant la foi de leur père. À quoi comparerons-nous cela aujourd'hui? Nous pouvons comparer cela au fait de s'approcher de Dieu, se présentant comme pentecôtiste, baptisé dans le Saint-Esprit, parlant en langue comme baptiste. Mes parents ont toujours été croyants. Nous avons été élevés dans la discipline de Dieu. Les uns confessent leurs péchés et les autres évoquent une justice propre. Ils sont justes à leurs propres yeux. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, quand Jésus-Christ dit les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, c'est un avertissement solennel qu'il fait à tous ceux qui ont un arrière-plan religieux. C'est un avertissement solennel qu'il fait à tous les habitués des églises, de la religion, de la maison de Dieu. Pendant que les uns confessent leurs péchés, ils se laissent toucher par l'évangile. Ils se lèvent, ils prennent des décisions. C'est vraiment triste pour plusieurs habitués de l'église. Ceux qui viennent à peine d'arriver, quand ils entendent la parole de Dieu, ils se laissent toucher, ils s'élèvent pour la prière, ils prennent des résolutions, des grandes décisions, et certains évoquent leur propre justice
des prétentions. Nous sommes des anciens, des pentecôtistes. Il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Frères et sœurs, repentez-vous. Repentez-vous. Abandonnez des prétentions. Humiliez-vous. Aujourd'hui, j'ai reçu du Seigneur l'ordre de parler sur l'élémentaire et l'essentiel, le principal. Et je sais que j'y resterai encore beaucoup. Et le Seigneur veut donner l'occasion à plusieurs de ceux qui nous suivent. Ils n'ont pas d'église, ils ne vont pas dans des églises, ils sont dans leur maison. Et nous voici dans leur maison. Ils s'intéressent à leur salut. Et vous qui avez un arrière-plan ecclésial, gardez-vous d'être dépassé par les nouveaux venus. Nous sommes en train d'analyser pourquoi plusieurs voudront y entrer, mais ne le pourront pas. Secondement, ils ne veulent pas se décharger. Or, la vie de Dieu commence par se décharger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais le texte du jour, c'est 1 Pierre 2, 10 et 11. La parole de Dieu nous dit, comme étrangers et voyageurs sur la terre, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Lorsque vous vous livrez à des images, à des choses de tout genre, vous passez l'essentiel de votre temps à nourrir la chair. Votre pensée prend des photos et ces photos, ces images vont loger dans votre subconscient et ce qui vous fera la guerre. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous et moi renonçons à tout ce qui alourdit la marche avec Dieu. S'en décharger, c'est décharger de tout ce qui est susceptible à compromettre notre marche vers le ciel. Frères et sœurs,
Il y a des choses qui nous sont pourtant légitimes, qui ne sont pas en soi un péché, et pourtant nous devons nous en débarrasser. Nous devions nous en débarrasser. Et Jésus nous en donne l'exemple. Lorsque ces choses nous alourdissent, lorsque ces choses ne contribuent pas à notre souplesse spirituelle, nous devions nous en débarrasser. Les excès de manger et de boire, Jésus savait mettre de côté. Ce qui lui était légitime. Nous en avons parlé dernièrement. Pour ce qu'il qualifie de nourriture. Quand Jésus dit, je ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, Jean 4:4, de même que dans Matthieu 4:34, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jésus-Christ considère que c'est une nourriture que de faire la volonté de Dieu. Jésus considère que s'abstenir de la nourriture pour tourner son âme vers Dieu est une nourriture. Parce que son homme intérieur est nourri. Vous voyez, savoir mettre de côté ce qui nous est légitime, tel que la nourriture. L'apôtre Paul, lui aussi, nous donne le même exemple. Il savait renoncer à ses avantages de prédicateur quand il y avait risque de jeter un discrédit à son évangile. Paul n'a permis à rien de jeter un discrédit à sa vocation d'annoncer l'évangile. Il pouvait se défaire de ses droits, de ses avantages. C'est ce qu'il présente dans 2 Corinthiens 11:7-11, que vous pourrez lire après. Il parle de comment il n'a pas usé de ses droits de prédicateur. C'est quand même surprenant qu'un prédicateur passe l'essentiel de son temps en train de prêcher rien que le droit du prédicateur pour recueillir tous les avantages
que Dieu donne à celui qui annonce l'évangile. Oui, le droit que Dieu donne à celui qui annonce l'évangile, c'est quand même un droit, mais ce n'est pas ce qu'il y a de principal dans l'annonce de l'évangile. C'est ainsi que Paul, s'adressant à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, il dit ceci: voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui usent, ceux qui ont des femmes, soient comme n'en ayant pas. De même que ceux qui ont de mari, soient comme n'en ayant pas. Ça veut dire, quitte ta femme, quitte ton mari, va chercher Dieu, va écouter la parole de Dieu, va te préparer à la rencontre de ton Dieu. Je parle ici de quitter momentanément. Je parle ici de se déplacer, d'aller vers le Seigneur. Je ne voudrais pas que quelqu'un en profite pour dire « j'abandonne ma femme, j'abandonne mon mari ». Je ne parle pas d'abandonner, je parle de savoir quitter quand il faut se consacrer, s'approcher de Dieu. Il dit que ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. C'est surprenant aujourd'hui d'entendre ce qui s'est dit dans l'église, parmi les enfants de Dieu, lorsque quelqu'un a perdu un être cher. Nous entendons des choses du genre, il est inconsolable. Il a été inconsolable. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je veux que vous viviez longtemps, que vous accomplissiez vos jours sur la terre. Je prie contre une mort précoce. Cependant, je suis surpris de voir que le chrétien, eux aussi, s'en tiennent tôt à la vie. Ils ne veulent pas du tout mourir. C'est quand même surprenant. Ils ne veulent pas du tout s'en aller au ciel. Et ils ne voudraient que personne, personne parmi eux ne s'en aille au ciel. Ça, c'est quand même surprenant. Que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Vous voyez les deux extrêmes. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Alors, qui sont ceux qui se réjouissent? L'apôtre continue. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Vous voyez, il s'agit de ceux qui peuvent acheter, s'acheter des choses. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ce que je viens de vous dire, trouvez-les dans 1 Corinthiens 7, 29 à 31. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Savoir se décharger. Troisièmement, pourquoi plusieurs voudront y entrer, mais ne le pourront pas? Ils ne veulent pas payer le prix et agir. J'aime ces mots en anglais. They don't like to take action. T
Take action, taking action. Agir, taking action. C'est joli ça, prendre l'action. Lorsqu'il faut prendre l'action, lorsqu'il faut agir, il se retire. Lisons ce texte kilométrique, Jean 6, qui va parler lui-même, 53 à 66. Jean 6, 53 à 66. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Il savait. Et qui était celui qui les livrait? Certaines fois, Dieu donne aussi à son serviteur de savoir ceux qui ne croient point, et même celui qui va les livrer. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et voici la conclusion. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. En fait, ça devient un contraste, le fait de les appeler de disciples, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils ne sont pas d'accord avec son enseignement, ils ne sont pas d'accord avec ses paroles. Ils étaient supposés ses disciples, parce que visiblement, ils recevaient ses enseignements, mais nous pouvons comprendre qu'ils étaient foules, ils étaient parmi les foules. Ils n'ont pas voulu être disciples, ils n'ont pas été disciples.
ce qui est mangé, lorsque cela est ingéré, devient un avec l'homme. On ne voit plus la nourriture, mais on va voir la santé. Et la bonne santé suppose la nourriture, une bonne alimentation. Quand Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture, celui qui mange de ma chair et qui vivra, il parle d'être ingéré, d'être consommé, d'être accepté, d'être reçu. Il est la parole. Et il se consomme. Lorsque sa parole est consommée, lorsque sa parole est acceptée, c'est ce qu'il a voulu dire. Il voudrait que ceux qui écoutent sa parole que lui, qui est la viande, qu'il soit ingéré en eux et qu'on ne voie plus la nourriture, mais qu'il se voie dans la vie de l'homme, des hommes, de ceux qui l'ont ingéré. Manger Jésus, boire son sang, c'est devenir un avec lui. Conforme avec lui. Accepter son évangile, son enseignement, devenir fils ou fille de Dieu. Et pourquoi ceux-ci l'ont abandonné? Parce qu'ils ont voulu se limiter au profit matériel qu'il tirait, aux avantages matériels que Jésus donnait, le pain, la nourriture qu'il donnait. Alors que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 et 19 que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre piété, si notre foi en Dieu est pour cette vie, les choses de cette vie, nous serions les plus malheureux de tous les hommes parce que on n'a pas besoin de prier pour être propriétaire de voiture, pour manger. Il y a des sociétés où on vient vous les proposer. Il voudrait profiter des avantages que Jésus donne. Mais quand on en arrive à la quintessence, c'est-à-dire à l'essentiel du message, à ce qui est principal dans l'évangile, il se désengage. Il se désengage. C'est ce qui fait qu'il n'y ait que peu de gens qui soient sauvés. Contrairement à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je suis peiné, étonné, choqué de me rendre compte que plusieurs, même lorsque l'évangile
vient dans leur maison comme c'est le cas ces jours-ci, même s'ils ne doivent fournir aucun effort, nous allons jusque dans leur chambre, dans leur domicile. Ils sont en retard. Ils ne viennent pas. Ils ne se présentent pas. Ils se couchent. C'est surprenant. C'est surprenant. Je voudrais être à votre place, vous qui m'entendez presque régulièrement. Vous au moins, vous avez quelqu'un qui vous parle presque régulièrement. Et moi, je n'ai pas ce que vous avez pendant ce temps de confinement. Alors, j'ai besoin de m'enfermer seulement pour que Dieu me parle. Et que je vous parle. Mais quand je viens vous parler, quand nous venons vous parler, c'est triste. Ce que nous voyons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit tout celui qui est en ligne. On voit. C'est très attristant. Et quand je regarde cela, je comprends effectivement qu'il n'y aura que peu qui seront sauvés. Plusieurs viendront frapper à la porte, mais le Seigneur leur dira: d'où vous êtes? Et toi qui m'entends, toi qui reçois cette parole, es-tu sauvé? Vas-tu être de ceux qui sont sauvés? Où seras-tu de ceux qui vont s'en aller? Parce que ils refusent de décharger, de renoncer. Là où tu y es, ferme tes yeux. Et si tu le veux, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, tu es le sauveur du monde. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut de mon âme, c'est le principal. C'est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. Je ne veux pas être de la race des vipères. Je ne veux pas venir à l'église. Je ne veux pas venir au baptême comme fuyant la colère de Dieu. Mais je veux me repentir. Pardonne mes péchés. Je veux vivre pour toi. Prends possession de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Jésus disait: vous êtes heureux si vous entendez, vous comprenez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mettez cette parole en pratique. Venez à Jésus. Il y a place pour chacun, pour tous dans son palais.
soyez bénis dans vos maisons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les à toi.